Baby Kent. Bonjour, je suis Kent l'éléphant. Comment vas-tu aujourd'hui? Nous allons jouer à un jeu très amusant. J'ai un grand livre de jeux d'apprentissage. C'est génial! Tu vas jouer avec moi? Nous allons jouer à associer les aliments aux formes. Yay! Ça va être vraiment intéressant. Tu es prêt? Commençons! Regardez! Nous avons trois formes. C'est une tranche de pain. Est-ce un triangle? Non, ce n'est pas un triangle. C'est un carré! Bien joué! Maintenant, tu peux faire correspondre la pastèque. C'est un triangle? Non, ce n'est pas un triangle. C'est un cercle! Oui, bien joué! Et la tranche de fromage? C'est un triangle! Super! Tu as fait correspondre les trois aliments aux bonnes formes. Et ce biscuit? Est-ce un cercle? Non, ce n'est pas un cercle! Est-ce un triangle? Un! Ça doit être un carré! C'est bien ça! Bien joué! Et le beignet? C'est un cercle? Correct! Et regardez le triangle! Une tortilla! Parfaitement adapté! Super! Bien fait! Plus d'aliments? Ok! Que direz-vous d'une tranche d'orange? C'est un... un cercle! Bien joué! Et la tranche de pizza? C'est un carré? Non! C'est un triangle! Bravo! Bien joué! Oh! Que direz-vous de ce délicieux brownie? C'est un carré? Tu les as encore tous eus! Tu t'en sors si bien! Et la gaufre? C'est un carré! Oui! Trouvé du premier coup! Bien joué! Et celle-là? C'est un cercle? Non! C'est un triangle! Bon travail! Et le dernier, mais pas des moindres, nous avons un cookie aux pépites de chocolat! Qui est bien sûr un cercle! Bien joué! Tu as trouvé toutes les formes! C'était très amusant, n'est-ce pas? As-tu appris à faire correspondre les formes et les aliments? Ce délicieux sandwich était carré, mais maintenant, c'est transformé en triangle! Je vais le laisser refroidir, mais en attendant... salut! Bonjour les enfants! Bienvenue dans mon école! Aujourd'hui, nous allons jouer à un jeu vraiment cool! Il s'appelle « Devinez le fruit ». Vous êtes prêts? Yay! Maintenant, quel est ce fruit? C'est une sorte de fruit rond avec une tige et une feuille. Oh, ça pourrait être une framboise! Non! Une groseille? Non! Oh, le temps s'est écoulé! C'est une pomme! Yay! Youhou! Que pensez-vous de celle-là? C'est une banane? Non. C'est une pomme? Non, 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 on l'a déjà faite. Fraise? Oh, le temps s'est écoulé. Tu as deviné? C'est ça! C'est une grappe de raisin! Bien joué! Ouah, j'adore manger du raisin! C'est génial! Maintenant, c'est quoi celui-là? C'est un peu rond avec une tige et une feuille. Ça pourrait être une pomme? Non, nous avons déjà fait une pomme. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Le temps s'est écoulé! C'est vrai! C'est une orange! Oh, celui-là, c'est très intéressant. Il est de forme ovale, avec beaucoup de pics sur le dessus. C'est une papaye? Non. Une framboise? Non. Le temps s'est écoulé. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un ananas! Yay! J'adore les ananas, ils sont si juteux et sucrés. Oh, celui-là me dit quelque chose. Je crois qu'il y en a deux, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que c'est? C'est long et ça vient à plusieurs. Le temps s'est écoulé.
C'est vrai, c'est une banane! Les bananes viennent en grappe. Yay! Ça, c'est une forme différente. Elle est plus longue qu'une pomme ou une orange. Qu'est-ce que ça pourrait être? Oh, regardez, le temps s'est écoulé! As-tu deviné? C'est bien ça! C'est une poire! Bien joué! Waouh, celle-là est très intéressante! Elle est vraiment hérissée et elle a des feuilles au sommet. Oh, et d'une forme très intéressante! Que penses-tu que cela puisse être? Des idées? Le temps s'est écoulé! Yeah, c'est une fraise! Ma préférée! Oh, j'adore les fraises! Oh, ce fruit-là a la forme d'un triangle avec un fond courbé! Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce une tranche de quelque chose? Le temps s'est écoulé! Vous avez deviné? Yeah! C'est une pastèque! Miam, miam! Une tranche de pastèque! Wouhou! Oh! Celui-là vient par paire! Il y en a deux sur chaque tige! Avec une feuille et elles sont petites et rondes! Que peuvent-elles être? Le temps s'est écoulé! Oui, c'est bien ça! Ce sont des cerises! Oh! La cloche de l'école! L'école est finie! Bien joué, les enfants! Vous avez bien appris aujourd'hui! Et vous avez deviné tous les fruits! Yay! Au revoir! La 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 la! Salut, les enfants! Comment allez-vous aujourd'hui? Je suis Kent l'éléphant et je suis très heureux de jouer avec vous à un jeu appelé le puzzle des 5 séances. Voulez-vous jouer avec moi? Je vois un arc-en-ciel avec ma langue. Non, je ne vois pas les choses avec ma langue. Avec mes oreilles. Je ne peux pas voir un arc-en-ciel avec mes oreilles. Avec mes yeux! Oui, je vois un arc-en-ciel avec mes yeux! Regardez! C'est magnifique! Je goûte un beignet avec ma main. On ne peut pas goûter avec les mains. Avec mes oreilles. Non, les oreilles servent à écouter, pas à goûter. Avec ma langue. Bien sûr, je goûte un beignet avec ma langue. Miam, 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 miam. J'entends une cloche avec... avec ma langue. Non, je n'entends pas avec ma langue. Je goûte avec ma langue. Avec ma main. Non, ma main n'entend pas les choses. Avec mes oreilles. Oui! Bien sûr! J'entends une cloche avec mes oreilles. Je sens une rose. Avec mes yeux. Non, je ne peux pas sentir avec mes yeux. Je sens une rose avec ma langue. Non. Je sens une rose avec mon nez. Oui, bien sûr. Je sens une rose avec mon nez. Comme c'est charmant! Je touche un crayon avec... avec ma langue! Non, je ne touche pas un crayon avec ma langue! Avec mon... nez? Ce serait drôle! Je ne peux pas toucher un crayon avec mon nez! Avec ma... main! Bien sûr!
Je peux prendre un crayon avec ma main pour écrire et décider mes images préférées. Un lapin. Bien joué. Pour plus de vidéos d'apprentissage, abonnez-vous à Kent l'éléphant. Yay! Salut les enfants, je suis Kent l'éléphant. Comment allez-vous aujourd'hui? Voulez-vous jouer à un petit jeu avec moi? Ça s'appelle Trouver l'intrus. Commençons! Ok, cherchons et trouvons l'intrus. Est-ce celui-là? Non. Et celui-là? Le temps s'est écoulé. Vous l'avez trouvé? C'est celui-là, oui! Maintenant, voyons pourquoi nous avions une banane, une pomme et une orange. Ce sont tous des fruits. Et l'intrus était... C'était une betterave! La betterave est un légume! On recommence! Trouvons l'intrus! Nous avons... Une vache? Ce n'est pas l'intrus. Et pourquoi pas celle-ci? Non. Le temps s'est écoulé. Tu l'as trouvé? C'est celui-là! Le lion! La chèvre, la vache et le cheval sont tous des animaux de la ferme. Mais l'intrus n'était pas un animal de ferme. C'était un lion. Et le lion est un animal sauvage. Ok, trouvons-en d'autres. Celui-là? Non. Et celui-là? Non, pas cette fois. Le temps s'est écoulé. Tu l'as eu? Betterave, courgette et aubergine. Ce sont tous des légumes. Et l'intrus, c'était la pomme. C'est un fruit. Oh, des moyens de transport. Trouvons l'intrus, ok? Et celui-là? Non, ce n'est pas notre intrus. Est-ce peut-être cette voiture? Oh, regarde! Le temps s'est écoulé! Tu l'as trouvé? C'est celui-là! Oui! L'avion! Maintenant, pourquoi c'est l'intrus? Eh bien, nous avions une voiture, une camionnette et un bus. Et tous ces transports-là sont des transports routiers. Mais devinez quoi? L'avion est un transport aérien! Oui, c'est bien ça! Maintenant, nous avons d'autres animaux. Voyons si nous pouvons repérer l'intrus cette fois-ci. Celui-là? Non, non, pas le dauphin. Ça pourrait être le crabe? Non. Et le temps s'est écoulé. Quel est l'intrus? C'est celui-là, bien sûr. Maintenant, pourquoi c'est moi l'intrus? Eh bien, le dauphin, le crabe et la pieuvre sont tous des animaux marins. C'est vrai! Ils vivent dans la mer. L'éléphant est un animal sauvage qui vit sur la terre. Bravo! Bien joué! Vous avez réussi à trouver tous les intrus. Bon travail! Continuez à regarder Kent l'éléphant et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir! Bonjour, je suis Kent. Kent, l'éléphant. Bonjour. Je suis sur le chemin de l'école. Ah, voilà mon sac d'école. Oh oh, mon cartable était ouvert. Il est vide. Toutes mes affaires sont éparpillées dans ma chambre. Je dois les chercher. Tu veux m'aider?
Peux-tu le trouver? Tu le vois quelque part? Ah! Il est là! Il est sur mon lit! Bien joué! Où est ma boîte à déjeuner? Tu peux la voir? Là? Ah! Elle est là! Bien joué! Peux-tu trouver mes crayons de couleur? Où peuvent-ils être? Ici? Non. Ici? Non. Oh, ils sont là, sur le lit! Bien joué! Maintenant, où est ma bouteille d'eau? J'ai besoin de mon eau. Où peut-elle être? Elle est là! Près du bocal de mon poisson rouge! Bien joué! J'y suis presque! Je dois juste trouver mes livres. Où peuvent-ils être? Ils sont là! Juste à côté de mon lit! Et enfin, je dois trouver mon ballon! Tu peux m'aider à le trouver? Il est là? Non, pas là. Il est là? Il est là! Je l'ai laissé sur le fauteuil! Bien joué! Bien joué! Tu as trouvé toutes mes affaires! Merci beaucoup de m'avoir aidée! Elles vont toutes dans mon sac d'école! Wouhou! Je vais bien le fermer cette fois-ci! Et c'est parti! Oh! N'oubliez pas l'eau! Au revoir les enfants! À la prochaine fois! Salut les amis! Je suis Kent, Kent l'éléphant! Et j'apprends à compter de 1 à 10! Waouh! Ça a l'air amusant, non? Oui! Mais avant de le faire, j'ai une liste de courses prêtes et je dois aller au marché pour acheter tous les ingrédients, toutes les choses nécessaires de ma liste. Tu veux m'aider? Oui? Allons-y! Voyons voir quelle est la première chose sur ma liste. Une boîte de lait? Ok alors, une boîte de lait. C'est ça! On l'a! Check! C'est quoi? Oh! Deux pommes! Ok alors, allons chercher des pommes. Les voilà! Dans mon panier! Une, deux pommes! Check! Et après? Des crackers! Trois paquets de crackers! Ils vont dans mon chariot! 1, 2, 3! Wouhou! On l'a fait! Ensuite, j'ai... 4 pots de confiture! Miam! Voyez-les apparaître dans mon panier! 4 pots de confiture! Check! Qu'est-ce qu'il y a ensuite? 5 paquets de biscuits! Mes préférés! Je les adore! 1, 2, 3, 4, 5! Wouhou! Bon travail! Merci pour ton aide! Et maintenant, allons chercher 6 carottes! Plus que 5 articles! Maintenant, 6 carottes! Peux-tu compter jusqu'à 6 avec moi? 1, 2, 3, 4, 5, 6! 6 carottes! Check! Qu'est-ce que c'est? C'est de brocoli! Je vais faire une soupe de brocoli! Mettons-les dans le panier! 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7! Wouhou! Ça va être une super soupe au brocoli! Et ensuite, 8 tomates! Waouh! Tu peux les compter? Elles vont dans le panier! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8! 8 tomates dans le panier! Check! Maintenant, nous y sommes presque! Nous avons 9 bananes! Oh, j'adore les bananes! Elles me rendent plus fort! Comptons 9 bananes! 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 et 9. Yay! Check! Et enfin, nous avons 10 muffins. Wouhou! Il nous faut un dessert. Ouais, 10 muffins dans mon panier. Tous en un seul paquet. Sympa et facile. Check! Wouhou! Voyons voir. J'en ai fini avec les courses. Youhou! Maintenant, voyons ce que nous avons acheté aujourd'hui. Un pot de lait, 2 pommes, 3 paquets de crackers, 4 pots de confiture, 5 paquets de biscuits, 6 carottes, 7 brocolis, 8 tomates, 9 bananes, 10 muffins. Waouh! Attends une minute, j'ai appris à compter de 1 à 10. Tu as vu ça? Yay! On l'a fait ensemble! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Génial! Mon nom est Kent, je suis un éléphant. C'est tellement amusant de faire les courses aujourd'hui. J'ai appris à compter jusqu'à 10. Merci beaucoup, c'était les courses avec toi. À la prochaine fois. Bye bye. Abonnez-vous et regardez plus. Kent, l'éléphant.